The food system of Pinmix is a Linamix Mare, lovely Linamix Mare, info l'American Devil. American Devil, bien sûr, le bon vainqueur du prix roi Palais Royal. Ses premiers produits sont folles d'American Devil et on débute à combien ici? Pour cette sœur de Pinmix de Pinacaral. 1000 1500 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
7500 €, il contre vous, Stan. À 7500 €, ici encore. À 7500 €, ici encore, Stan. À 7500 €, la fille de Walking de Parkmer, polyglotte. 8000. 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €, 8000 €,
33 000 euros, c'est contre votre 33 000. À 33 000 euros, mettez 35. À 33 000 euros, à 33 000 euros. Bien, pardon pour cette courte interruption. Nous sommes au lot 877 qui a déjà atteint 33 000 euros. Il s'agit de Pop Rock du Berlay, une fille de Martaline, pleine de Mass Marvel. Elle est troisième du Prix Magne à Auteuil, listed. 35 000 euros, c'est fini. À 35 000 euros, merci. À 35 000 euros, dernière fois. À 35 000 euros, Valentin. À 35 000 euros, votre enchère. Nous sommes à 35 000 euros. C'est la famille de Motec Saint-Émilion. Guy Petit, 35 000 euros, Valentin. Et elle part à 35 000 euros. 878, présenté par le Haras de Bourgeoisville. Porta Romana, c'est une jument bénée en 2009 par American Post et Porta Marzia. Elle est pleine d'authorized. Et voilà maintenant. Porta Romana, American Post, 878, présenté par le Haras de Bourgeoisville. Une jument de 7 ans qui est gagnante à 3 ans, pleine de Authorized et qui a eu une pouliche de Montmartre au printemps. C'est une propre sœur de Prima Porta qui a 5 victoires dans les deux spécialités et qui est placée de listed en obstacle. Le Mare's Hurdle listed. Et c'est une sœur utérine également de Mortos Marzio. Un poulain de Naïef, deuxième du prix Kanchenberg à Auteuil. Une souche chilienne classique. 8 000 euros, 10 000, 10 000 à 10 000, 10 000 à 10 000, c'est Stan, à 10 000 à 10 000, 10 000 à 10 000. Le père de mère est Roy, un fils de Fabiano et talent très influent aux États-Unis. Un fils de Mister Prospector, ce fut d'ailleurs le premier bon étalon sorti par Mister Prospector, ce Fabiano, que l'on retrouve souvent en inbreeding d'ailleurs dans les pedigrees classiques américains. En plat. Et qui est un excellent père de mère. Il a été très influent en Amérique du Sud où il a produit énormément de gagnants classiques. À 20 000 euros, fini monsieur. À 20 000 euros, pas d'erreur, c'est contre vous l'enchère en face. Et le père de Porta Romana, American Post, est lui, fils de Bering, qui nous a quittés malheureusement cette année. 21 000 euros, à 21 000 euros, Grégoire et Alban, c'est contre vous. À 21 000 euros, à 21 000 euros, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, à 22 000 euros, ici encore, à 22 000 euros, à 22 000 euros, que dit le second Stan. À 22 000 euros, tout est par vous et je vous laisse faire 22 000, à 22 000 euros, à 22 000 euros, c'est votre enchère. 22 000 euros, pas d'erreur, 22 000. À 22 000 euros, c'est votre enchère, 22 000. 22 000 euros, 24 000. 24 000 euros, 24 000. 24 000 euros, 24 000. À 24 000 euros, toujours pas vous, 24 000. À 24 000 euros, à 24 000 euros, c'est un enchère fini, à 24 000. À 24 000 euros, dernière fois. À 24 000 euros, merci. À 24 000 euros, fini. À 24 000 euros, c'est Stan. À 24 000, on adjuge. 24 000, Stan l'enchère, merci. Le numéro 879, présenté par le Haras de l'hôtel. 24 000 euros, donc, pour le lot 878. Par Martaline et Powder Card. Elle est pleine de Sadder Maker. A noter que cette jument est vendue sans TVA. This mare is sold without VAT. Martaline, on arrive maintenant Martaline au lot 879, présenté par le Haras de l'hôtellerie. Une propre sœur de Another Sensation, qui est deuxième du prix Royal Monarch à Auteuil, listed. Cardline, qui est une fille de Martaline et de Power Card par Ultimately Lucky. Elle est pleine de Sadler Maker. Ça y est, pour la première fois, elle a 5 victoires. Sadler Maker qui a réalisé un véritable carton ce week-end en Angleterre et en Irlande, où il a multiplié les victoires et les places dans les plus grandes courses d'obstacles du week-end. La famille est celle de Zandale, placée de listed en obstacle. Okan qui a gagné, lui, sa listed en obstacle aux États-Unis. Et Sadler Maker, qui est un fils de Sadler's Wells, particulièrement influent, qui ne fait plus la monte chez nous malheureusement, mais qui est un excellent étalon qui multiplie vraiment les succès au plus haut niveau actuellement. On est déjà à 30 000 euros pour Carline, avec un croisement Sadler Maker Martaline pour le prochain Faux la Nettre.
32 000 euros, l'enchérie là, à 32 000 euros, à 32 000 euros, 34 000, 34 000 euros, 34 000, notamment Apple Jade, Apple Jade qui a, qui est une fille de Sadler Maker et qui a battu Vroom Vroom Mag ce week-end. 40 000 euros déjà. À 40 000 euros, si encore. À 40 000 euros, 42 000. 42 000 euros. À 42 000 euros, Alvan, c'est contre vous. À 42 000 euros, 45 000. 45 000 euros, 45 000. À 45 000 euros. À 45 000 euros, Dominique, c'est contre vous. À 45 000 euros. À 45 000 euros, si encore. À 45 000 euros. À 45 000 euros, l'enchère est là. Essayez 47, Dominique. À 47, 45 000 euros. À 45 000 euros. À 45 000 euros, c'est Alban. Le jument a gagné 5 courses en obstacle, donc à 3 et 4 ans. Deux victoires à Pau, une à Fontainebleau, placée à Auteuil, à Enghien. Le marteau se lève à 45 000 euros. Et elle va partir à 45 000 euros. On a joué. 45 000 euros. Alban, High Flyer, merci. Le numéro 880, présenté par Laura Dupotier, Gold of Win Potier, c'est un Malalzan né le 2 avril 2016 par Full of God et Princesse Tennis. C'est de la famille de Défi du Seuil qui compte une victoire en obstacle en Grande-Bretagne dans le JCB Triumph Trial Juvenile Hurdle Group 2 depuis la parution du catalogue. Le lot 880 maintenant, Gold of Win Potier, AQPS par Full of Gold et Princesse Tennis. C'est le frère d'un vainqueur, c'est la famille de Jimmy Tennis de Défi du Seuil, gagnant de groupe depuis la parution du catalogue Défi du Seuil. C'est un poulain foal qui est né le 2 avril. Alzan comme Full of Gold. 2 000 euros pour débuter bas. 2 000 euros. La mère est une sœur utérine de Jimmy Tennis. Gagnant de groupe 2, le Hamlin Reynolds Stone Novices Chase en Angleterre. Et de Défi du Seuil qui, depuis l'apparition du catalogue, a remporté le JCP Trial Hurdle Trial Group 2. On notera également qu'un peu plus bas, on a DS du Seuil qui compte une victoire en plat et une place en obstacle supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. À 3 000 euros, on met 500 Guillaume, à 3 000 euros, regardez-le, un beau poulain de Full of Gold ici. Défi du Seuil, gagnant de groupe depuis l'apparition du catalogue Guillaume, à 3 000 euros, à 3 000 euros, obligé à 3 000, à 3 000 euros, 500 en face. 3500, à 3500, vous pouvez mettre 4000, Guillaume. À 3500 euros, 4000, à 4000 euros, à 4000 euros, c'est encore. À 4000 euros, la famille de Défi du Seuil. À 4000 euros, à 4000 euros, contre vous, Geoffroy, 5000. 5000 euros, l'enchère à 5000 euros. Poulain est un fils donc de Full of Gold, gagnant du Critérium de Saint-Cloud à 2 ans et du Prix Noailles à 3 ans. Qui a déjà produit plusieurs black types en obstacle, dont Jeanneau de 9 ans. En face par Stan. Full of Gold, un cheval de grande taille, très athlétique, très puissant. À 5500 euros, c'est Stan l'enchère. À 5500 euros. Frère utérin de Fuissé qui lui a gagné le prix du Moulin de Longchamp. Stan, votre enchère, merci. Et on le numéro 880, s'arrête à 5500 euros pour ce Fall de Full of Gold. Le 881. Est un poulain foal de Saint-Dessin qui devrait susciter quelques animations sur le ring, puisque c'est un frère utérin de Interland, gagnant du Henry VIII Novices Chase Groupe 1, du Presbury Juvenile Hurdle Groupe 2, du prix Wild Monarch, en débutant en obstacle à Auteuil, deuxième du Henry VIII Novices Chase, multiple placé de Groupe 1 en fait. Et c'est également un frère utérin de Loft Place, deuxième du prix Magne à Auteuil, quatrième du prix Bournosienne, groupe 3, une fille de polyglotte. La famille est celle de Phare Bleu qui a gagné le final Juvenile Hurdle groupe 1. On retrouve des black tie obstacles à toutes les générations sur ce pédigré, et ce poulain est un fils de Saint-Dessin, tête de liste des étalons en obstacle. À 15 000 euros, c'est votre enchère maintenant.
18 000 euros, mettez 20. À 20 000 euros, à 20 000 euros, c'est contre vous, Stan. À 20 000 euros, à 20 000 euros, c'est un dessin. Le frère d'Interland, 22 000. Le frère de Love Place, 25 000. 25 000 euros, nouvel enchérisseur. À 25 000 euros, 28 000. 28 000 euros, 28 000. À 28 000 euros, mettez 30. À 28 000 euros, à 28 000 euros, 30 000. 30 000 euros, 30 000. 30 000 euros, 30 000. 30 000 euros, 30 000. À 30 000 euros, Camille enchère 30 000. À 30 000 euros, 32 000. 32 000 euros, 32 000. À 30 000 euros, 35 000. 35 000 euros, 35 000. À 35 000 euros, Stan enchère 35 000. À 35 000 euros, à 35 000 euros, 38 000. 38 000 euros, 38 000. À 38 000 euros, Camille enchère 40 000. 40 000 euros, à 40 000. À 40 000 euros, Dominique enchère 40 000. À 40 000 euros, c'est Dominique. À 40 000 euros, à 40 000 euros, Saint-Vincent. 40 000 euros, Pédéleur, à 40 000. À 40 000 euros, c'est Dominique qui dénonce à 40 000. À 40 000 euros, Guillaume, je ne vous entends plus, à 40 000. À 40 000 euros, 41 000. 41, 42 000. 42. À 42 000 euros, à 42 000 euros, c'est un dessin, à 42 000. À 42 000 euros, à 42 000 euros, The Brother of Interland, of Love Place. On est déjà 42 000 euros pour ce fall. Try again, sir. De l'excellent Saint-Dessin. À 42 000 euros, est fini, monsieur, de temps ou pas d'erreur. À 42 000 euros, dernière fois. On retrouve en paire de mer Diamond Prospect, qui était un fils de Mister Prospector. Mister Prospector qu'on rencontre d'ailleurs aussi bien dans les pédigrés en plaque, en obstacle et y compris en inbreeding. Plusieurs gagnants sauteurs classiques en obstacle sont inbred sur Mister Prospector. Il faut savoir que Mister Prospector est en plein le deuxième pourvoyeur d'inbreeding classique. Une réussite qu'on peut expliquer peut-être par un gène mutant dans le génotype de Mister Prospector, ce qu'on appelle le Snip Mister P, alors que notre poulain vient de partir à 45 000 euros. Donc le Snip Mister P est un gène mutant que l'on ne retrouve, selon les génomiciens, que dans les pédigrés de ces bons performeurs et jamais chez les mauvais. Et l'inbreeding sur Mister Prospector permet de multiplier les chances de récupérer ce gène mutant, voire de le doubler. Le père de Bulkov, le père de nombreux vainqueurs, Zambezison. Et Mister Prospector, qui était pourtant un cheval aux aplombs défectueux, assez carrossier, pas spécialement un cheval qui pas du tout dans le type Northern Dancer. Et bien Mister Prospector est devenu un authentique chef de race dont l'influence est croissante et dont la qualité apparaît aussi bien en plat qu'en obstacle. On est maintenant sur le lot 883 qui est une pouliche foal née le 29 mars par Zambezison et Ricker Island par Sulamani. Cette pouliche est issue d'une gagnante, c'est son premier produit. Une gagnante à 3 ans en obstacle. Premier produit d'une sœur de camping ground à 6 000 euros, merci. À 6 000 euros, on a le juge. 6 000, Geoffroy Lanchère, merci. 6 000 euros pour cette pouliche. Présenté par le rat de Freiner le Buffard. Et on passe au 884, Ramina, une jument de 8 ans par Chiroco et River Pearl par Turf Conic. Fille de Chiroco, c'est la sœur de Black Type, la sœur de Rubiana, de River. Elle compte 2 victoires et 2 places en Allemagne. Elle est pleine de Dreamwell. Son premier produit est un fils de Sholokov qui n'est âgé que de 2 ans. Elle a ensuite un Yearling Person des Breaks et un Foal par Steel Vendôme. Donc une jeune mère gagnante. À 2000 euros. De bonne souche, puisque sa mère, triple gagnante, a produit 6 vainqueurs, dont Rubiana par Sholokov, qui est multiple gagnante de l'Istad en Allemagne, et River Melody, qui est placée de groupe 3 en plat en Allemagne. Ramina est une belle jument, comme le sont souvent les filles de Chiroco. À 6 000 euros, à 6 000 euros, 7 000 Dominique, à 7 000 euros Dominique Lanchère, à 7 000 euros, à 7 000 Chiroco qui a vraiment trouvé son jour dans la production de sauteurs avec d'excellents résultats, notamment à Cheltenham cette année. À 10 000 euros, votre enchère Julie, à 10 000 euros, à 10 000 comme beaucoup de fils de Monsoon d'ailleurs ayant gagné sur la distance classique sur 2400 mètres ou sur plus long. À 11 000 euros, c'est Dominique Lanchère, pas d'erreur, à 11 000. À 11 000 euros, à 11 000 euros, fini. À 11 000 euros, pas de regret, Geoffroy. À 11 000 euros, Lanchère, à droite.
Après 11, c'est 12. 12 000, 13 000. 13 000 euros par Dominique à 13 000. 13 000 euros à 13 000 euros, Dominique Lanchet à 13 000. 13 000 à 13 000, 13 000 à 13 000. À 13 000 euros, à 13 000 euros, c'est Dominique Lanchet à 13 000. À 13 000 euros et Geoffroy, je ne vous entends plus. Le jument Ramina est pleine de Dreamwell, donc pour un croisement Sadler's Wells sur Monsoon, qui lui aussi compte de très nombreuses références au plus haut niveau. Et elle est adjugée 13 000 euros. Le numéro 885 est absent. Nous passons au numéro 886, présenté par la SEA Hamelston. Pink Lady Royal, c'est une femelle alsacienne en 2009 par Limnos et Royal Punta Cana. Elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Fille de Limnos.